Ça va le PV? Je suis content. Je fais une tournée des Zénith et entre, ils m'ont mis le Perreux sur Marne. Un noir et chinois, ZB, Rush Hour. Ça va? Mais vous, c'est quoi la probabilité de les avoir ici? Jackie Chan et Chris Tucker. Vous êtes amis? Mais oui, c'est vrai, il y a un noir et un chinois, ça fait plaisir. Comment tu t'appelles, frérot? Roland. Roland et Jean-Michel. Jean-Michel, vraiment? Le vrai nom ou... Il y a le nom de le... à la maison, il t'appelle pas Jean-Michel, la famille. Il t'appelle comment? Origine quoi, Vietnam? Cambodge. Cambodge. Mais t'as le vrai nom. Hein. T'as un nom. Oui. Tu vas pas me faire le coup à moi, Jean-Michel. Si t'étais jeune, je t'aurais dit Jean-Michel. Déjà, Jean-Michel, c'est un nom de vieux. C'est un Jean. Ça va, vous chiez en groupe, c'est ça le truc. Hein. Comment tu t'appelles? Moi? Non, ta grand-mère, oui, toi. T'as un public, il est chaud quand même. Hein. Lise, ça va? Je suis parti faire pipi aussi. Vous pouvez pas te retenir? T'as raté. Rush Hour, ils sont là. Un chinois, un renois. Vous êtes d'ici, du secteur? Toi, oui, il est perdu sur Marne, mais tu m'as pas dit le vrai nom. Bakray. Tu vois, je savais qu'il avait un vrai nom. Jean-Michel, on va t'appeler comme ça parce que Bakray, c'est dur. Bakray, c'est ça? Ça veut dire quoi en cambodgien? Tu sais pas? Mais moi, je peux pas t'aider, frérot. Il me regarde comme ça. Jean-Michel, on va passer un bon moment. Vous êtes venu avec Madame Jean-Michel, c'est ça? Elle est où, Madame Jean-Michel? Elle est là. Et c'est qui la chinoise à côté de toi? C'est la femme de... Vous êtes qui, vous? Harry Potter, comment tu t'appelles? S'il te plaît, mets-toi debout, regarde-les. Vont voir que c'est Harry Potter. Comment tu t'appelles? Stéphane. Ça va, Stéphane? Ouais. Et comment se fait ta chérie, elle n'est pas à côté de toi? Il y a tout le groupe, là. Il y a tout le groupe, j'ai compris, mais vous êtes en dispute avec madame? Non? Pourquoi t'es pas venu avec Stéphane? Ils voulaient pas se mettre au centre, ils se sont dit, il va tomber sur nous. Mais là, je vais niquer tout le monde, il n'y a pas de... Le premier rang, j'arrive, vous inquiétez pas. Je vois le premier rang, eh ouais, vas-y, nique-nous. Non, ça arrive. On va arriver tranquille, là. On s'occupe de l'Asie et de l'Afrique, et après, on va venir le reste du monde. C'est des bâtards. On va démarrer par là, on va faire tout le premier rang, on va démarrer le show. Oui, vous me connaissez, le premier rang. Ouais, il va y avoir du niquage de premier rang. C'est obligatoire. Vous avez vu les vidéos sur Internet. Le soir, vous rigolez comme ça. Mais là, ça va se passer en vrai. Et après, on mettra la vidéo Jean-Michel. Jackie et Jean-Michel, ça fait... Tu enlèves le Jean. Il y en a quatre qui ont compris la blague, ça fait plaisir. Ça va le loup-garou du Perreux? Tu vas bien? C'est quoi ton prénom? Titien. Titien. Titien? Ouais. C'est quoi Titien? C'est Titien? Comme c'est Titien? Titien? Ouais. Mais c'est... je ne connaissais pas Titien. Vous connaissez Titien? C'est original Titien, c'est quelle origine? Italien. Italien. Ah, c'est Titien, non? Non? Et en français, Titien. Titien. Titien, super. Et madame Titien? Lorraine. Lorraine. Lorraine et Titien. Super. Tu fais quoi dans la vie, Lorraine? Je suis psychomotricienne. Psychomotricienne. J'ai pas capté. Psychomotricienne, c'est quoi? C'est les gens qui ont des problèmes psychomoteurs. Tu les aides à retrouver la mobilité. Tu travailles beaucoup dans le milieu handicapé, tout ça. C'est bien. Je savais ce que c'était. Et toi, Titien? Galerie d'art. Galerie d'art. T'as une galerie d'art? Mes parents. Tes parents. Et toi, tu... Tu profites de tes parents, c'est ça? Là. Ben oui, t'as une galerie. Non, mes parents, moi je suis Titien. Titien, t'aurais pu faire hop. Hop. Hop, Titien. Jean-Michel, pas compris. Bonjour, comment vous appelez? Morgane. Morgane, ça fait plaisir. Vous êtes venu avec madame? Super, faites quoi dans la vie, Morgane? Frigoriste. Frigoriste. Super, c'est bien. Tu t'occupes de tout ce qui est réfrigérateur, c'est ça? C'est-à-dire que c'est toi qui remplis le gaz quand il n'y en a plus? C'est moi qui soude. C'est toi qui soude, c'est toi. Super, c'est bien. Tu les clims aussi? Frigoriste, les clims, super. Et madame Morgane, comment elle s'appelle? Mélanie. Mélanie. Mélanie, tu fais quoi? Mélanie dans le tourisme. Toi, tu es dans le clim. Mélanie, elle est super fraîche. Hey! C'est mal par rapport au frigoriste. C'est comme ça qu'il a rencontré.
Ben oui, c'est bien. Mélanie, c'est une vanne sympa. Bon, bref, vous en battez les couilles. Bonjour, madame. Ça vous allez bien? On a la version féminine de Rush Hour. Une chinoise, une renoie. Comment vous appelez? Émilie. Vous êtes la sœur de Jean-Michel? Non, famille de Jean-Michel. Vous êtes dans le groupe? Même pas. Ah, vous n'avez rien à voir? Ah, super. Et il y a beaucoup d'Asiates, ça fait plaisir. Tu sais que tu es le sosie d'un mousquetaire. Je ne sais pas lequel, mais toi debout, regarde-les. Vraiment, je ne sais pas lequel. C'est D'Artagnan, je sais pas lequel. C'est Johnny Depp s'il n'avait pas réussi. Mais t'as. Je te jure, beau gosse. Comment tu t'appelles? Lélio. Super. Prénom du 14e siècle. Lélio, tu étais chevalier. Me dis pas Cunégonde, toi. Et la femme de Lélio, c'est sa sœur? Sa cousine? C'est ton ami. Ah, vous êtes. C'est un date? Non. Comment tu t'appelles? C'est qui derrière? C'est sa fiancée? C'est la fiancée de qui? Lélio, t'es avec qui? Quelqu'un d'autre. Super. Et vous, comment vous appelez, mademoiselle? Emma. Super. Emma, toi, t'es juste son amie? Oui. Et vous êtes mis au premier rang, tous les deux? Et ta fiancée, elle est où, toi, Lélio? La fiancée. La fiancée. La fille que tu niques, elle est où? Un lapin pris dans un phare, quoi ça? Elle est loin. Super. Et du coup, tu es avec Emma pour la soirée. Et Gaël, c'est qui la troisième? Éclaire la lumière, je vais voir Gaël. De où Gaël? Et tu peux éclairer la lumière, s'il te plaît, PV? Ça va Gaël? Ils t'ont puni, hein? Tu veux quoi qu'on te... On peut te mettre là, si tu veux. Comment ça change pas grosseuse? Tu vas être plus proche de moi, je pourrais t'attraper. Là, t'es un peu... Ça va Gaël? Ils sont bien. Ils t'ont abandonné. Comment vous avez fait pour la place? Vous avez fait un tirage au sort ou qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es désisté? T'as bien fait. Même moi, à ta place, je me serais désisté. Bah ouais. Elle était maligne. Emma, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en sciences politiques. Étudiante en sciences politiques. Bah ouais, j'ai un public, vous avez vu, il a mon image. Mais c'est bien, Sciences Po. Ça, et tu fais quoi? Du foot. Tu joues au foot? Ouais. Super, ça n'a rien à voir avec la Sciences Po, mais c'est pas mal. Et toi, Lélio? Juste Sciences Po. Putain, le niveau, là, c'est chaud, hein. Sciences Po, frigoriste. Il a une galerie d'art, mais de ses parents. Tu vois, il a juste... Le mec, il est gardien, il a des clés. Bon, je joue de temps en temps le matin. Je ferme.